Salut tout le monde, c'est Squalinou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo d'unboxing. Donc rappelez-vous, il y a environ une dizaine de jours, je vous avais fait une petite vidéo d'unboxing de Uncharted 4 Collector ainsi que le casque PlayStation 4 officiel et manquait quelques articles. Donc du coup, rappelez-vous, il manquait la petite figurine goodies un petit peu cartoon de Uncharted 4 de Nathan Drake que j'avais en précommande sur le site de la Fnac et il manquait un article. J'avais dit attention, surprise, etc. Donc du coup, là, je suis cramé, hein, la miniature vous le montre. C'est le guide Uncharted 4 officiel collector. Donc le guide qui va vous dire quoi faire dans le jeu pour tout ramasser, pour éviter les ennemis, etc. C'est un guide de 350 pages. Donc je vous montrerai pas tout, sinon on y est jusqu'au lendemain. Mais je vous montrerai le plus possible et je vous détaillerai un petit peu les pages, manière de vous donner envie peut-être d'acheter ce guide-là. Après, il y aura aussi une surprise. Donc c'est pas un truc énorme, c'est juste un petit truc que j'ai voulu rajouter pour la vidéo et je vous le ferai à la fin de la vidéo, je vous le montrerai, c'est un petit truc, bon, c'est du surplus, c'était pas prévu, mais voilà, j'ai voulu le rajouter. Donc du coup, on va pas perdre de temps, on va essayer de pas refaire encore 25 minutes comme la dernière fois, sinon je vais mettre 6 heures à vous envoyer la vidéo sur YouTube. Donc du coup, on va commencer direct, cash. Donc voilà, ici se trouve la petite figurine que je vous avais parlé. Donc apparemment, c'est des figurines que Micromania vend à une valeur de 15€. Donc c'est Pop Games qui fait ça. Donc là c'est la figurine donc Uncharted 4 numéro 88, celle où le Nathan Drake a un t-shirt bleu. Il y avait la même avec un t-shirt marron, mais voilà, j'ai pris le t-shirt bleu parce que je trouve ça plus joli. Donc là c'est pas des figurines très représentatives, hein, comme on dit. C'est pas une figurine aussi belle que l'édition collector de Micromania qui valait 120 ou 130€ avec une figurine de 30 cm qui était quand même vraiment jolie. Là, c'est plus goodies, cartoon, petite figurine qu'on peut mettre sur une étagère, un petit peu en mode collection. C'est pas un truc splendide, mais bon, tant qu'à avoir un truc en cadeau quand on fait une précommande d'un jeu, autant en profiter, voilà. Donc du coup, je le déballe. Donc voilà, la petite figurine toute riquiqui mini, hein. Vous voyez la hauteur, hein, à vue d'œil, je dirais... bon, j'ai presque envie de prendre une règle, hein, on va dire 10,5 cm. Donc voilà. Je vais vous la montrer de tout près, ça donne ça. Donc il y a, je sais pas pourquoi, ils ont mis une grosse tête, hein. Ça doit être les figurines Pop Games qui doivent être toutes comme ça. Je pense qu'ils doivent faire aussi d'autres jeux, hein. Je me doute bien, les Assassin's Creed, etc. Vu que c'est la numéro 88, ça voudrait déjà dire qu'il y en a 88 en tout, voire même peut-être plus maintenant. Donc il y a quand même une sacrée collection à se faire. Donc voilà, petite figurine sympathique, gratuite, avec la tête qui tourne, qui tourne totalement, hein. Il se fait un 360 degrés avec sa tête, le machin. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas avoir un petit truc en cadeau, à voir si j'en prendrai d'autres pour faire une petite collection. Bon, c'est pas des figurines très très splendides, hein. Surtout le côté tête à la Minecraft, un petit peu cubique, hein. C'est pas la joie, mais bon, il y a pire, il y a mieux, c'est gratuit comme on dit, donc on va pas cracher dessus. Donc voilà, voici la petite figurine que j'ai eu en précommande pour l'édition collector de Uncharted 4 sur le site de la Fnac. Donc si vous voulez des figurines comme ça, apparemment ça vient de chez Micromania. Sur internet, je pense que vous pouvez les avoir. C'est des figurines Pop Games qui valent, c'est une valeur de 15€ par figurine. Donc c'est un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve. Mais bon, après à vous de voir si ça vous intéresse. Donc du coup, ça c'est bon. On va passer au guide. Donc là par contre, ça rigole plus. Donc voici le guide d'Uncharted 4 version collector, donc d'une valeur de 30€. Je l'ai pris sur le site de Cdiscount. Je l'ai reçu à peu près 5 jours après la sortie d'Uncharted, parce qu'ils n'avaient pas encore le guide, il est sorti après, apparemment. Donc, très lourd, hein, je vous confirme, hein, c'est un beau bestiau. Hein, une belle couverture, hein, avec une matière vraiment, vraiment stylée. Hein, je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est comme matière. Là, c'est un petit peu lisse, en relief. Donc, vraiment un très beau livre. Donc, ça commence avec une sorte de carte, etc. Donc là, vous en avez droit, il y a exactement 336 pages, donc c'est quand même énorme. Donc je vais pas tout vous montrer, hein. Je vais pas non plus vous donner le guide page par page. Donc là, pour débuter, je vais quand même vous montrer un minimum. Vous avez les avant-propos du livre, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc il vous raconte un petit peu l'histoire d'Uncharted, ce qu'ils ont fait pour le développement d'Uncharted 4, etc. Donc il y a quand même de belles pages à lire. L'introduction, où il vous explique comment utiliser ce guide. Il reparle des trois premiers Uncharted, le 1, le 2 et le 3. Donc un petit flashback, hein, comme on dirait en anglais.
Ici, les personnages du jeu, hein, donc je pense que je vais pas spoiler beaucoup de monde. Vous devez les connaître maintenant. Hop, donc on voit, il y a Nathan Drake, il y a Elena, Sam, Sullivan, Raph Adler et Nadine, donc les deux méchants, les deux derniers que je viens de vous citer. Donc là, ils vous montrent les bases du jeu, etc., le gameplay et tout. Donc moi, ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est quand ils détaillent un chapitre, une carte, pour vous faire prendre les emplacements les plus importants, vous faire prendre les chemins les plus furtifs, entre guillemets. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que vous avez vraiment des cartes, mais vraiment détaillées à foison, comme on dirait. Donc je vais essayer de vous montrer un chapitre où ça frite un peu. Donc on va prendre le chapitre 8, hein. On va vous montrer un peu tout ça. Donc là, chapitre 8, exemple tout bête. Donc chapitre 8, vous avez un trophée qui s'appelle le fantôme du cimetière, qui vous demande de ne pas vous faire repérer pour avoir un certain trophée. Et là, bah pour ce fameux trophée là, il vous explique clairement ce qu'il faut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'espère que vous le verrez bien. Donc je vais un petit peu approcher la caméra. Donc la page là, ici, hop, je mets mon doigt. Donc là vous voyez, et j'espère que vous le voyez bien, je vais rester un petit peu stagné devant la caméra. Voilà, vous voyez la carte avec des flèches, etc. Donc là ils vous mettent carrément le chemin à prendre pour être totalement furtif et ne pas se faire repérer pour obtenir le trophée fantôme du cimetière. Donc la plupart du temps, ils vous font plusieurs cheminements pour esquiver les ennemis ou les attraper tranquillement dans le dos, ou se mettre pour récupérer une arme intéressante pour défoncer tous les ennemis rapidement, etc. Ils vous disent vraiment tout. Après, les trophées, etc., enfin les trésors, je veux dire, là pareil, ils vous les montrent à chaque fois sur les pages. Là, je vais vous montrer celui-là, encore une fois dans le chapitre 8. Donc là, vous voyez ici, là où je suis en train de tapoter. Donc là, c'est quoi le trésor? Il s'appelle couteau pliant à ressort. Donc là, vous voyez, il y a une petite image qui vous montre l'emplacement exact du trésor. Ils vous disent où il est. Donc c'est plutôt intéressant ce livre, parce que franchement, pour les collectionneurs, je vous le conseille. Il vous indique vraiment la direction parfaite, où sont les ennemis, où sont les trésors, les discussions, les notes de journal, etc. On vous dit tout. Et quand je vais dire tout, c'est tout. D'ailleurs, je vais vous montrer juste un petit passage intéressant. Pour le chapitre de 13 à 15, vous devez faire un... Donc ces deux chapitres-là, sans tuer personne, ce qui est quand même vraiment tendu, sachant que dès que vous êtes repéré, vous devez quand même vous défendre, à vrai dire. Et là, ils vont vous montrer clairement, ils vous le disent dès le début, ils vous parlent du trophée, je crois que c'est pacifiste, si je me rappelle bien. Et là, ils vous montrent vraiment le chemin parfait. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer, regardez, page ici. Donc là, il vous parle, j'essaie de vous de zoomer le plus possible. Hop. Là, il vous parle du trophée, où je tapote encore une fois. Il vous parle du trophée pacifiste et ils vont vous faire un cheminement de couleur rose, je crois. Et là, ce chemin-là vous fera passer le chapitre 13 à 15 sans vous faire repérer. Il vous montre le chemin que prend les ennemis. Donc, il vous montre les flèches, le chemin qui prend, le entre guillemets, son... Comment je trouve même plus mes mots, sa ronde, entre guillemets. Donc là, vous pouvez vous adapter à la ronde des ennemis pour les esquiver, les prendre par surprise, etc. Et là, à vrai dire, du chapitre 13 à 15 pour le trophée pacifiste, c'est clairement, il vous donne tout le cheminement pour ne pas vous faire opérer. Donc c'est tout bonus, donc franchement, c'est super détaillé. Il y a tous les trésors d'expliquer, où sont toutes les armes, les reliques, parce qu'il y a trois reliques étranges dans Uncharted, comme dans tous les Uncharted, il y en avait une, mais là, il y en a trois, du coup. Ça explique vraiment tout, c'est vraiment super détaillé, c'est vraiment de belles images, c'est franchement avec un guide comme ça, pour ceux qui veulent faire le jeu en une seule traite, en ayant fait tous les chapitres en difficulté par exemple extrême, maximum du coup, en ayant ramassé tous les trésors, les reliques étranges, les discussions, etc. Vous avez ce livre là, vous regardez page par page et vous êtes sûr d'avoir tout fait à la fin du jeu. Après vous ferez les petits trophées qui vous manquera. Mais franchement, c'est vraiment très très détaillé. Bon, 30 euros le livre, ça peut être un petit peu cher. Mais bon, sachant que j'attendais impatiemment ce jeu-là, c'était un investissement quand même voulu. C'est quand même un livre que je garderai pour toujours. C'est de la collection pure et dure. Et c'est vraiment pas mal. Après, à la fin du livre, une fois qu'ils vous ont expliqué vraiment tout le jeu, ils vous montrent là, par exemple, guide des objets à collectionner. Je vais vous montrer la page. Hop, ici. On va tourner, hop, on va faire ça. Donc là, il vous montre carrément un tableau avec tous les objets que vous pouvez ramasser.
Donc elle est là plutôt pas mal. Donc vraiment tout, hein. Les trésors, les quêtes ranges, les armes, tout est détaillé chapitre par chapitre. Donc là c'est vraiment tout le tableau. Conseil pour le speedrun. Donc le speedrun, vous le savez, il faut finir le jeu en moins de 6 heures, mais je vous ai fait un glitch là-dessus, une vidéo pour le finir en 10 minutes. Là il vous parle du multijoueur. Il vous explique un peu les nouveautés du multijoueur, etc. Les maps et tout. Hop. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. On tourne un peu. Donc là, il y a quand même pas mal de contenu. Pactage personnel, débloquer les objets de pactage, etc. Ils vous disent vraiment tout. Modification d'armes. Les complices. Ils vous expliquent un peu les complices, etc. Vous voyez, il y a quand même de très belles images. Hein. Je vais vous montrer juste vite fait le chapitre, pour moi le plus beau chapitre du jeu, c'est le chapitre 10, quand vous êtes dans une eau paradisiaque. Voilà, il y a vraiment, là cette page là, elle est vraiment bien représentative du guide. De belles images, les trésors qui sont bien montrés, je vous les montre tout doucement. Je vous montre la page au ralenti, de haut en bas, hop hop. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même de très belles images, c'est vraiment un très très beau guide. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, comme je vous l'ai dit, tout est bien détaillé. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. On arrive à la petite surprise, donc attendez-vous pas à un truc de fou. C'est vraiment un petit surplus que je voulais vous rajouter. C'est un peu pour vous montrer ce qui va se passer dans quelques jours sur la chaîne YouTube ou sur Twitch. Et je voulais encore vous le partager. Donc du coup, voilà, c'est là. Je me suis pris Doom. Donc encore une fois sur internet, donc là cette fois-ci ce n'est pas Cdiscount, ce n'est pas la Fnac, c'est Amazon, oui je prends sur les trois sites là. Et puis voilà, donc du coup là c'est Doom, vous allez dire ouais c'est bien, il nous présente un jeu, c'est génial, rien de spécial, pochette en plastique et tout. Eh ben non, il y a quand même quelque chose de spécial et c'est ça qui m'a étonné. Quand j'ai précommandé ce fameux Doom à 49,90€ sur le site de Amazon, ils m'ont marqué Steelbook offert. Donc un Steelbook, vous savez ce que c'est une boîte en métal. Donc je me suis dit, ok d'accord, steelbook en métal, donc je vais recevoir le jeu dans une boîte en métal. Et je me vois arriver avec un truc comme ça. Mais il y avait un autre truc avec. Et là j'ai dit, wow, ah ouais c'est vraiment offert, mais vraiment totalement. Donc là vous avez la version plastique, hop, le jeu dedans, la notice. En dessous il y a un code pour activer une armure, etc. pour le multijoueur. Mais à côté, ils m'ont donné le steelbook. Donc j'ai deux boîtes, j'ai eu la boîte en métal graphique, donc je vous la montre de tout près parce qu'elle est vraiment belle celle-là. Hop. Donc pareil, encore un truc gratuit, hein. Tant qu'à commander et précommander des articles sur internet, autant avoir un petit cadeau, hein. Ça fait plaisir pour le même prix. Donc voilà, du coup ils m'ont donné le steelbook en métal offert. Donc du coup pour 49,90€, j'ai eu ces deux là, ce qui est plutôt pas mal. Donc la version plastique et la version métal. Donc la version métal, à moi de choisir dans quelle boîte je vais mettre le jeu. À l'intérieur, il y a la photo du protagoniste du jeu. Je sais pas si vous la voyez bien parce que c'est putain de luminosité aujourd'hui, c'est pas la joie. Donc je sais pas. Oh, je pense que vous l'avez peut-être vu. Donc il est planqué là-dessous. Donc c'est le personnage en armure là, le personnage de Doom tout simplement. Donc du coup voilà, pour la précommande de ce Doom sur Amazon, boîtier plastique, j'ai reçu hop, les deux comme ça emballés. Donc la boîte en métal et la boîte en plastique, c'est plutôt cool. Encore un truc que je pourrais garder en collection. Et peut-être dégager la foudre sur internet si je voulais m'en débarrasser, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, encore un petit truc gratuit, c'est plutôt sympathique. Encore une précommande ou une commande entre guillemets avec un petit bonus en plus. Et moi j'aime bien les trucs où quand vous commandez, vous avez toujours un petit cadeau pour le même prix. Bon, je préfère ça qu'aller prendre à Leclerc ou à Auchan en ayant juste la boîte en plastique pour le même prix. Bon, faut être un petit peu malin, bon bref, je ne critique pas ceux qui l'ont pris à Leclerc ou Auchan, hein, je sais que beaucoup de monde ont dû le faire, enfin bref. Donc voilà les gens, cette petite vidéo est terminée, donc voilà, je vous remonte vite fait les éléments de la vidéo. Donc le Doom, acheté sur Amazon avec le steelbook en métal offert pour 49,90€. La petite figurine de Nathan Drake fait par Pop Games du valeur de 15€ chez Micromania que j'ai eu gratuitement grâce à la précommande de Uncharted 4 Collector sur le site de la Fnac. Et pour terminer, mon préféré, le chouchou, le plus beau, le plus fort, le guide officiel d'Uncharted 4 Collector d'une valeur de 30€ du site Cdiscount qui fait 336 pages que je vous conseille énormément parce qu'il va tout vous dire sur le jeu, vous ne raterez strictement rien du tout. Et pour les collectionneurs, c'est un petit objet en plus à mettre dans sa bibliothèque. Voilà. Donc du coup les gens, on a fait le tour.
Donc cette petite vidéo, voilà, est terminée. Donc excusez-moi encore une fois du retard, hein, je devais vous la mettre logiquement en milieu de semaine, donc mardi ou mercredi. J'ai eu du retard, j'ai reçu Doom, je me suis dit je vais tout leur mettre ensemble, ça fera un petit bonus. Donc voilà, là ça a été fait. Donc voilà les gens, cette petite vidéo est terminée. J'espère que voilà, cette petite vidéo d'unboxing, présentation des articles que je vous ai montrés vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.